C'est un dossier de la rédaction. Procès Denis Lessie, Jean-Baptiste Ntawa, le verdict tant attendu est finalement tombé ce vendredi à la prison militaire de Ndolo. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe a requis des peines allant de 5 à 10 ans de servitude pénale à l'encontre des prévenus Denis Lessie et compagnons. Ils sont reconnus coupables de faits retenus à leur compte, entre autres, association des malfaiteurs, escroquerie et incitation à la violation des consignes militaires. Dans l'affaire, leur opposant à l'évêque Jean-Baptiste Ntawa, le pasteur Denis Lessie, l'adjudant Kasongo Angoï, alias Capitaine Bissimois, et Thierry Okunimbo, alias Murindwa, le soi-disant jeune frère du chef de l'État, viennent d'écoper de la sentence suivante. Le prévenu Lessie est coupable de l'infraction d'incitation de militaires à 10 ans de servitude pénale principale. Pour l'adjudant Kasongo Angoï, 10 ans de servitude pénale principale. Pour M. Okunimbo Mabusa, 5 ans de servitude pénale principale pour association de malfaiteurs. Après avoir rejeté en bloc les accusations à leur charge et usé du droit afin d'obtenir raison, la partie défenderesque tient à interjecter appel de ce jugement conformément aux droits lui accordés par la loi. Nous irons en appel et nous sommes sûrs et certains que nos clients vont être acquittés, notre client sera acquitté au niveau de l'appel puisqu'il y a plusieurs ouvertures. Voilà pourquoi nous demandons aux uns aux autres de continuer à croire. Notons que pour ce qui est de la partie civile Ntawa, aucun dommage ne lui sera versé, le tribunal ayant jugé sa demande non fondée et irrécevable.